Je suis Perrine et je suis chargée de clientèle pour le service cuisiniste au sein des CFG qui regroupe plusieurs cuisinistes, notamment le groupe Fournier, Mobalpa, Socook et Pérenne. Et c'est moi qui gère de A à Z la gestion des SAV des clients. Et effectivement, moi je suis en relation également avec Christophe Zoubir, qui est responsable grand compte cuisiniste, qui lui effectivement est sur le terrain, en magasin, en relation constante et tous les jours, parce que c'est important d'avoir quelqu'un qui représente SFG. Il le fait très bien d'ailleurs, et donc du coup on travaille tous les deux sur ça. Donc je suis rentrée effectivement en 2015, on était une équipe au début de 5 personnes. Puis aujourd'hui, on est 10 personnes. Je suis rentrée en tant que conseillère technique et aujourd'hui, du coup, je suis chargée de clientèle. Donc, je m'occupe du service dans toute la complexité qu'il peut y avoir, autant côté management que le côté relation grand compte. Et je pense que c'est une chance de rentrer dans une société où on sait qu'on a la possibilité d'évoluer. On a entre 10 et une quinzaine de cuisinistes divers sur lesquels on est axé sur le service. Comment on gère ça? On va avoir plusieurs étapes. On va avoir un côté électroménager qui est notre cœur de métier. On va faire de l'extension de garantie pour les cuisinistes, Xina, Cuisinella, Schmitt. Et j'en oublie certainement, mais la plupart des cuisinistes effectivement sont dans notre service. Et on a effectivement une partie groupe Fournier. Donc j'appelle le groupe Fournier, c'est Mobalpa, Socook, Pérenne, qui est aujourd'hui une grosse partie de l'activité du service cuisiniste. Donc j'ai des agents qui ont des compétences électroménagers et des agents qui ont des compétences meubles. Voilà, donc on peut prendre des appels divers. C'est ça qui est intéressant dans le service que je gère. Mes conseillers techniques sont plus axés sur le client final, l'acheteur, et moi je suis plus en relation effectivement avec les magasins et la centrale d'achat. Le but aujourd'hui, c'est de grandir, autant en termes d'équipe qu'en termes de grands comptes, idéalement, j'aimerais. J'aimerais qu'on ait plusieurs clients, plusieurs nouveaux clients. J'aime ce côté aspect meuble qu'on développe chez Mobalpa, le développer pourquoi pas ailleurs. Je trouve que ça serait une belle opportunité en tout cas pour SFG et pour moi, du coup. C'est pas un métier facile. Moi, je tiens quand même à le dire, on fait du SAV, on a des clients qui ne sont pas contents, qui nous appellent, qui sont déjà frustrés parce qu'ils ont une panne. Mais avoir une équipe qui est intéressée par ce qu'elle fait, par des clients qui sont contents de la prise en charge qu'on a pu avoir, la satisfaction client qu'il y a, et puis les nouveaux projets. SFG, c'est une boîte qui est montante, je pense, et on n'est jamais à court d'idées, on n'est jamais à court de clients, il y a toujours des nouveaux challenges. Et moi, c'est ça que j'apprécie et qui fait qu'aujourd'hui, ça fait 7 ans. 7 ans, c'est quand même pas mal. Mais oui, voilà, c'est... Demain, je peux faire autre chose. Si on m'en donne la possibilité, si je m'en donne les capacités, on peut faire autre chose. Et je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée à ce qu'on fait.